On se souvient tous de l'aventure hors norme de l'équipe de football de Côte d'Ivoire lors de la dernière Cannes. Personne n'a oublié non plus les émotions que cette équipe nous a fait vivre. Un homme, un universitaire, un chercheur a tout consigné de ce parcours incroyable. Il a obtenu un accès exclusif à tous les acteurs, joueurs compris, pour produire un récit passionnant de cette compétition. Il emmène le lecteur. Au cœur de l'équipe nationale, même dans les moments les plus dramatiques. Le docteur Jean-Jacques Conadjé est l'invité de droit dans les yeux. Docteur Konadjé, bonjour. Bonjour Monsieur Dinacera. Comment allez-vous Oui, ça va très bien. Merci d'être me. à nouveau avec nous. Merci. Parce que vous êtes un producteur de livres <laughs> récurrents. <laughs> Merci. Mais c'est toujours intéressant. Et, et là, cette fois-ci, vous nous faites revivre avec bonheur cette fabuleuse compétition de la Cannes 2023. Vous en faites le récit très détaillé dans un ouvrage intitulé Notre Troisième Étoile. Ce n'était pas gagné pour... d'avance. Ce n'était pas gagné d'avance. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement. Effectivement, euh, ce livre est le neuvième que je produis euh, en dix années de, 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 de rédaction. Quasiment un parent Oui, voilà. Donc, euh, c'est un livre qui est né dans un contexte particulier. Justement, euh, comment est-ce que vous avez a germé cette idée avec le président de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Idriss Diallo, cette idée de, de faire un livre sur le parcours des... Des, des éléphants En fait, il faut, faut, faut resituer les choses dans, dans leur contexte. C'est-à-dire que j'étais en train de rédiger mon sixième livre sur l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Et vous étiez venu ici Et j'étais venu ici d'ailleurs. Et dans le cadre de la rédaction de ce livre qui a pour titre Foot Ivoire, en Passion et Patriotisme, il fallait que j'interviewe les acteurs clés du football ivoirien, dont le président Idriss Diallo. Et tout a commencé le 18 septembre 2000. 23, c'est-à-dire six mois avant que les éléphants ne soient champions d'Afrique. Je finis de l'interviewer sur le sixième livre, c'est-à-dire l'histoire du football ivoirien. Et il me dit, bon... Écris rapidement ce livre-là et après toi, écris un livre sur la victoire des éléphants pendant la canne. Je Donc vous êtes en train de me dire que six mois avant euh, la compétition, il vous annonce la victoire des éléphants. Il, il me <laughs> demande de m'apprêter à écrire un livre sur la victoire des éléphants pendant cette canne-là. Je, je me <coughs> suis dit que mais ça, c'est une déclaration de mon intention. Je n'ai pas considéré cela. Mais le lendemain, 19 septembre, quand je lui ai envoyé un message de remerciement, il me réaffirme encore en me désignant comme celui qui va écrire sur le parcours des éléphants à l'occasion de la ce, il avait cette idée bien enclaire. Il avait cette idée bien et je pense même que le président Idriss Diallo avait l'intime conviction que la Côte d'Ivoire remportera cette coupe là. Votre ouvrage est, est préfacé par Patrick Mozepe, le président de la Confédération africaine de football et il est postfacé par Gianni Infantino, le président de la Fédération oui. internationale de football. Oui. Excusez du peu, vous êtes bien entouré. Effectivement, ça a été aussi une initiative du président Idriss Diallo parce que lorsque j'ai fini la rédaction, fini la rédaction de, de, de ce livre et lorsque le président Idriss Diallo a pris connaissance du manuscrit, il a estimé qu'au regard du caractère, de l'écho international que ce livre pouvait avoir et compte tenu de la parfaite organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, il était important qu'on puisse associer ces grands dirigeants du football mondial. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il entre en contact avec eux à l'occasion d'une Assemblée générale de la FIFA à Bangkok. Et ces deux personnalités donnent leur accord pour la préface et la postface du livre. Donc je voudrais profiter de votre, de votre émission, de votre télévision, pour leur témoigner toute ma reconnaissance. Comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre On a bien l'impression que vous avez eu accès à tout et à tous. Effectivement, mais il faut dire que déjà, si vous permettez, je situe les choses dans le contexte parce que six mois avant, le président Idriss Diallo me désigne comme celui qui va écrire ce, ce livre. Le 13 janvier, le jour de la cérémonie d'ouverture de, de la Cannes, le jour du match d'ouverture, je suis le match avec des amis. Je leur, informe, je leur donne l'information que je vais écrire un livre si on gagne. Parmi eux, il y en a qui m'ont dit Mais à cette allure, tu ne vas jamais écrire ce livre parce que les éléphants sont en train de faire une piètre prestation sur le terrain. Et à la fin du premier match, on gagne 2-0. Et je leur lance au visage Les gars, je pense que on va gagner ce match. Et le titre de mon livre, ça sera Notre troisième étoile, ce n'était pas gagné d'avance. <laughs> Donc c'est le 13 janvier. Et le 3 février, lorsque nous gagnons de façon in extremis le Mali, c'est là que je vais faire le plan de ce livre Nous partions en demi-finale. J'ai fait le plan de ce livre et qui est validé le 12 février, c'est-à-dire le lendemain du sac des éléphants. Alors, pour revenir à votre question effectivement j'ai eu accès à tous les acteurs à l'occasion de leur premier regroupement en France mmh. parce que lorsqu'ils juste juste après la Cannes au Et mois de mars c'est là que vous avez pu débriefer tout ça avec eux j'ai pu débriefer tout cela avec eux c'est-à-dire que tous les acteurs qui ont pris part à ce sacre là étaient là mmh. à commencer par les joueurs le staff technique les encadreurs et les dirigeants de la FIF, dont le vice-président le vice Malik Doué. Alors, il est je, a... je voulais vous demander, parce que vous êtes dans, dans, dans tous les secrets, mais ils nous ont fait vivre un truc pas possible. Et qui a écrit le scénario de cette canne Même Alfred Hitchcock n'y aurait pas pensé. Personne <laughs> n'y aurait pensé. En fait, justement, c'est ce qui donne le charme ah. de l'histoire de ce livre, c'est que les éléphants étaient confiants. La Côte d'Ivoire organise sa deuxième canne à la maison, à domicile. Donc, au regard de tous les moyens qui ont été investis par le président de la République, notre équipe nationale a estimé qu'elle devait être à la hauteur, je dirais, de, 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 de cet événement à travers sa prestation. Mais j'avoue que le démarrage a été difficile. Ben, voit, Et ça, après, la façon dont les éléphants sont revenus à la surface pour pouvoir emporter cette canne, c'était un enseignement. On va y revenir dans le détail, mais je vous ai posé cette question parce que ce qui apparaît très nettement dans votre livre, c'est qu'on sent dans cette équipe, parmi les joueurs, et on sent aussi chez ceux qui l'encadrent, jusqu'au président de la fédération, qu'il a existé une dimension spirituelle importante dans toute cette aventure et dans tout le déroulé de cette compétition. – Effectivement, euh, cette dimension spirituelle a été marquée par la foi. La foi dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il faut dire que le président Idriss Diallo, croyant qu'il est, a placé son mandat sous le signe, je dirais, de la foi. – On je... entend souvent d'ailleurs, il, il y a Dieu dans tout il ça. – Il y a Dieu dans euh, tout ouais. ça, effectivement. Mais euh, la confidence que je vais vous faire, c'est que pendant leur moment de préparation à San Pedro, ça a été considéré aussi comme une retraite spirituelle. Ouais. Une retraite spirituelle parce que c'est au cours de, oui, de cette préparation euh, pour la canne que le président Idriss Diallo va demander aux joueurs qu'ils puissent euh, faire des collectes d'argent, cotiser en eux pour pouvoir faire des dons. Faire des dons chez les personnalités euh, 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 religieuses, faire des dons aussi à des orphelinats. Donc, euh, au cours de ces actions, de ces cérémonies, le staff de la FIF n'a pas manqué de demander aux hommes de Dieu de prier pour eux, de prier pour eux pour que le Seigneur puisse les accompagner dans cette aventure afin qu'ils puissent ramener la coupe à la main. Alors, on ne va pas refaire le récit complet, mais il y a d'abord eu une sorte, une forme un peu d'effondrement euh, et puis une résilience incroyable. Effectivement. D'où vient, à votre avis, cette résilience dont, a, dont ont fait preuve les joueurs de l'équipe nationale Quels ont été les ressorts de leur rebond Est-ce que c'est la honte Est-ce que c'est le fait d'être en Côte d'Ivoire Est-ce que c'est le fait de s'être fait insulter par les Ivoiriens eux-mêmes lorsqu'ils ont failli se faire éliminer Enfin, il y a eu deux moments je, complètement différents. Oui, je pense que y a eu, ça a été le concours de plusieurs facteurs. Mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est l'état d'esprit même des joueurs. C'est l'état d'esprit parce que c'est une équipe qui a été baptisée au nom de Commando. Oui, dont l'objectif était de mener une action spécifique afin que les Ivoiriens puissent les Ivoiriens soient fiers d'eux. Donc le moment de l'effondrement a été considéré comme un accident de parcours. Il fallait que eux-mêmes avec le mental d'acier qu'ils ont, ils puissent tout mettre en œuvre pour revenir à la surface. Alors, il y a eu plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que il s'était lancé ce défi-là pour faire en sorte que la coupe reste à la maison. Le deuxième facteur, c'est de perdre dans ces conditions-là devant Les le peuple ivoirien Ivoir. dans le stade qui porte le nom du président de la République. Je pense que c'était insupportable pour eux. Et après, il y avait une certaine dignité, un honneur à sauver face à toute cette pression-là. Alors il y a un moment dramatique que vous décrivez en détail dans votre livre euh, et qui représente le moment de bascule dans l'histoire de cette compétition. Nous sommes le, dans le vestiaire, le soir de la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. L'ambiance est à l'abattement général. Et là, vous avez le président de la fédération. Idriss Diallo qui arrive et qui trouve les mots assez inspirés qui euh, ont été aussi inattendus pour les joueurs parce qu'il ne les a pas engueulés. Inattendus, mais qui vont permettre à l'équipe de ne pas s'effondrer. Effectivement. D'abord, il faut dire que le président Idriss Diallo, il est interpellé par le premier ministre dans la, dans la tribune. Sociale. Oui, il lui dit, mais euh, monsieur le président de la FIF, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse avoir cette prestation. Et c'est euh, au président Idriss de dit, « Monsieur le Premier ministre, moi-même, je ne sais pas ce qui se passe, je vais descendre voir dans les vestiaires. Et lorsque Idriss Diallo arrive dans les vestiaires, comme vous venez de dire, ce sont des vestiaires qui sont dévastés. Mais là, lui-même, quand je l'interview, il dit qu'il a une sorte d'inspiration divine. Donc, il, il va tapoter les mains pour attirer l'attention euh, des joueurs sur lui. Et là. Et qu'est-ce qu'il leur dit Il va leur dire que. Ce que nous venons de faire est le résultat de notre prestation. C'est vrai que ce n'est pas digne de nous, mais il faudrait se dire que nous ne sommes pas totalement éliminés. Nous avons 10 à 20% d'espoir d'être qualifiés. donc il faudrait qu'on s'accroche à ces 20% d'espoir de positif, de positif, et il faudrait qu'on fasse tout possible et compris Dieu pour qu'on puisse revenir dans cette compétition-là. Et si nous revenons dans cette compétition, il faudrait que ce que nous venons de vivre, ce soir-là, puisse nous servir de lui Ça sûr. a touché les, les joueurs Les joueurs ont été francs avec moi pour me dire qu'à cet instant, ils n'ont pas forcément cru en Idriss Diallo. Pourquoi Parce qu'il venait de perdre 4-0. Mais ils ont été surpris par sa posture. Il s'attendait à des engueulades, mais il vient et il leur tient un discours de père de famille qui vient réconforter ses enfants en leur disant que c'est vrai, vous n'avez pas été brillants, c'est vrai, la prestation n'a pas été bonne, mais nous avons 10 à 20 de chance d'être de, 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 qualifiés. Donc, il faudrait qu'on s'accorde à cela. Ne vous apitoyez pas sur ce sort que nous venons de vivre, mais restons positifs. Alors voilà, on vient de voir les ressorts du rebond. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut analyser a posteriori pourquoi cette équipe a si mal commencé, alors que sa préparation, à la fois physique, psychologique, s'était passée dans de bonnes conditions Lorsque j'ai interviewé les joueurs et les membres du staff technique, je pense qu'ils étaient trop confiants. Ils étaient trop confiants parce que le premier match... Ça a, été, ça a fait l'objet d'interprétations. Le deuxième match, ça a été le début de, de, des doutes qui se sont installés dans la tête des Ivoiriens, surtout des supporters. Et pour le troisième match, ils avaient envie de prouver. Ils avaient envie de prouver parce qu'ils ont sous-estimé la Guinée équatoriale. Parce que sur le papier, la Guinée équatoriale n'est pas une grande nation de football. Mmh. Et au moment où la Côte d'Ivoire part dans cette compétition, nous sommes parmi les neuf. Nous sommes parmi les neuf meilleures équipes d'Afrique. Donc, on est venu gonfler à bloc en disant que nous jouons à domicile et nous jouons. Le troisième match Donc, face vous, vous à une équipe qu qui n'est pas on a, on une a grande pêché nation, de par football. un peu d'orgueil et on un pêché peu de sous-estimation. Ou de, de sous-estimation de des, sous des on, adversaires. On a sous-estimé les adversaires uh -huh. et pendant la compétition aussi, il faut dire que les joueurs ont eu une déconcentration lorsqu'il y a eu deux buts qui l'ont qui leur ont été refusés Refusé. sous le modèle de hors jeu et tout cela, mmh. j'avoue que ça cassait un peu le moral des joueurs. Et puis bon, je on voudrais, on a vu ce qui, euh, je voudrais qu'on qu dise un mot de l'ex entraîneur français Jean-Louis Gasset, oui. euh, celui qui a constitué cette équipe oui. de commandos, cette oui. équipe de jeunes joueurs qui ne oui. se oui. connaissaient pas vraiment d'ailleurs avant. Oui. Mais j'ai le sentiment euh, en vous lisant et puis en, en, en regardant un peu ce qui se passe, que euh, ni les joueurs, ni la fédération, ni les Ivoiriens ne lui en veulent euh, vraiment et, et même qu'ils continuent à lui garder une certaine affection. Est-ce que je me trompe euh, Non, vous ne vous trompez pas parce que Jean-Louis Gasset, il est l'architecte de la victoire des éléphants. Les joueurs sont les artisans, mais il est l'architecte. Parce que Jean-Louis Gasset a été recruté dans des conditions plus ou moins difficiles. Puisque le président Idriss Diallo, il prend fonction le 4 mai 2023, moins d'un mois, il doit jouer le premier match pour les qualifications, pour les éliminatoires. Et c'est là qu'on fait venir Jean-Louis Gasset qui, dans la foulée, va jouer son premier match. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui a constitué le commando. Pendant un an, il a sillonné toutes les nations, il a identifié 60 joueurs. Et sur ces 60 joueurs, il en a retenu 27 qui vont constituer ce commando. Et il faut quand même avoir le mérite de le dire, parce que c'est Jean-Louis Gasset qui va convaincre un certain nombre de joueurs pour qu'ils rejoignent la sélection, notamment certains binationaux. Je veux parler de Mdika, qui est venu en Côte d'Ivoire à la sélection ivoirienne parce qu'il a été convaincu par des personnes comme Jean-Louis Gasset. Je veux parler de Yaya Fofana. Je veux parler de Seko. Seko Fofana qui, à un moment donné, avait quelques doutes pour rejoindre la sélection militaire. Vous, était vous là. pensez que, que tous ces gens-là dans l'équipe, mais aussi les Ivoiriens, présentent qu'il a quand même son mérite dans cette affaire Il a quand même son mérite dans cette affaire. un échec. Même oui. si il a. Je, je, je dirais que ça a été un parcours émaillé de difficultés. Mais il faut regarder celui qui était là dès le départ, celui qui a porté cette équipe. Et je vais vous faire une confidence que je fais dans le livre. Le fait de retenir les blessés dans l'équipe, c'est en partie grâce à Jean-Louis Gasset, parce que le président Idriss Diallo, lorsque Adengra et Aller sont appelés, le professeur Bana, qui est le responsable médical des éléphants, donne son avis médical pour dire qu'ils sont arrivés blessés, mais ils peuvent être récupérables au cours de la sélection. C'est-à-dire à, -dire à pour le troisième match et les deux, c'est-à-dire à, à et à pour les quarts de finale. On pose la question à Jean-Louis Gasset. Il dit, président Idriss Diallo, c'est vrai qu'ils sont blessés, mais je pense qu'ils devraient être, être parmi les 27. Parce que leur présence... Déjà a un impact positif sur le groupe. Et si nous passons les, la, la première étape, ils seront décisifs pour notre victoire. Alors et comme si c'était de façon prémonitoire, c'est ce qui s'est Jean passé. Jean-Luc a pris sa responsabilité. Il a démissionné le soir même du match raté contre la, la, la Guinée équatoriale. Euh, Il a présenté sa démission ce même soir, mais qui a été accepté le lendemain. Le lendemain, oui. Bon, il a eu une certaine grandeur, on va dire, dans cette, dans cette phase-là. Il y en a un autre qui a fait preuve de grandeur, c'est le coach Emers Faye oui. parce qu'il n'était pas programmé pour prendre l'équipe de sitôt. Pas du tout. Et, et pourtant, il n'a pas hésité une seconde, vous dites, oui. quand on lui a mis entre les mains l'idée qu'il fallait qu'il reprenne l'équipe du jour au lendemain, il n'a pas hésité en prenant pour lui-même un grand risque. Et effectivement, il a également fait preuve de grandeur. Il a fait preuve de grandeur. Et surtout de patriotisme. Pourquoi Parce que lorsque le président Idriss Diallo le convoque pour lui parler de la situation, il le met face à ses responsabilités. Il lui dit Bon, écoute, voilà, tu n'étais pas programmé pour prendre l'équipe à ce moment-là, mais nous sommes confrontés à une situation. Est-ce que tu te sens capable Toutefois, je te présente le tableau. Si tu perds, tu grilles ta carrière et je ne pense pas que tu puisses entraîner une équipe en Côte d'Ivoire, encore moins en Afrique. Mais si tu gagnes, tu seras le héros de la nation. Mais de façon spontanée, il a dit non, Président, je suis prêt. Allons, moi je suis prêt. Le pays m'appelle et je réponds présent, je suis prêt, on peut y aller. Parlons maintenant de la remontada. Oui. D'abord, pour dire un mot... De l'équipe marocaine. Oui. <laughs> parce que la qualification des ivoiriens, on s'en souvient pour, la, pour les huitièmes de finale, dépendait d'une victoire du Maroc. Eux, ils n'avaient plus prise sur les événements. Oui. C'est ce qui s'est finalement advenu. Idriss Diallo avait raison. Idriss Diallo. On avait... a 20% ou 10% de chances de passer, et c'est cette okay. 10% qui ont. Et justement, parce qu'il faut dire que quand les ivoiriens perdent. Ils sont tellement persuadés qu'ils pourraient revenir dans le match, dans la compétition plutôt, qu'ils continuent les entraînements. Et Faillet est nommé, c'est-à-dire le jour où le Maroc joue. Il fait son entraînement, son premier entraînement, avec à ses côtés Guy Demel. Mais il y a une, une anecdote que je voudrais quand même vous euh, raconter, c'est que le matin du match contre le, 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 le matin du match du Maroc contre la Zambie, le président Idriss Diallo, il appelle son ami qui est le président de la fédération marocaine ah de football, M. Lakhdar Fouzi. Et lorsque il décroche, il dit mais Idriss, il éclate du rire, il dit mais Idriss tu me cherches, tu me cherches parce que la victoire du Maroc la Qualifier Côte la Côte d'Ivoire. Et à Idriss de lui dire ah, mais il faut m'aider, aide-moi pour que je, <laughs> je, 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 je puisse passer, je puisse revenir dans la compétition. Et il va lui dire Ne t'en fais pas, Idriss, ne t'en fais pas parce que Sa Majesté le Roi nous a donné instruction pour que nous puissions jouer de sorte que, la, de sorte que le Maroc gagne. Pour qualifier la Côte d'Ivoire. Alors, vous me tendez une perche incroyable parce que j'allais vous demander, d'abord, un, c'est comme ça que les Marocains sont devenus les meilleurs amis des Ivoiriens <laughs> Non, mais je pense que ça ça allait au-delà du sport. Mais vous mais savez a, que ce a, sont deux pays frères. Mais c'est ce que je, je, je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il y a une, comme une géopolitique du football. Et ça, ça a été la vraie géopolitique du football parce qu'on a montré que le football va au-delà du simple sport. Il y a les enjeux, les intérêts de certains pays qui sont en jeu. Mais mieux, c'est une sorte de coopération bilatérale. C'est-à-dire qu'on sait tous les bonnes relations que le Maroc entretient avec la Côte d'Ivoire. Le On football dépasse largement le cadre du, 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 terrain du terrain de jeu. Ça rentre dans une dynamique de, de diplomatie, une dynamique de géopolitique et de relations internationales. Et voilà comment, je dirais, euh, 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 l'équipe du Maroc... Va se battre jusqu'au bout, gagner la Zambie et la Côte d'Ivoire revient dans la compétition. Alors, après cette, cette victoire du Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire, l'arrivée du nouveau coach Fayet, euh, on voit sur le terrain une toute autre équipe oui. de la Côte d'Ivoire. Oui. Et on voit même euh, une, presque une nouvelle compétition qui commence. Effectivement qu'est-ce qui a changé dans le mental ou peut-être dans le système de jeu mis en place par le coach? d'abord, il faut dire qu'il y a eu le système de jeu qui est très technique, mais il y a eu aussi les orientations du coach fayet. le coach fayet, lorsqu'il prend la tête de la sélection, le premier match, est le, son premier match est celui contre le sénégal, qui est le champion à titre. donc, il tient discours aux joueurs qui s'articule autour de deux points. Il demande qu'il y ait une solidarité entre les joueurs. Que cette solidarité-là se manifeste aussi bien sur le terrain qu'en dehors des stades. Alors, à côté de cela, il dit qu'il faudrait que les Ivoiriens montrent que ce qui s'est passé contre la Guinée équatoriale est un accident de parcours. Et qu'il ne faudrait pas qu'on puisse... Un temps soit peu, prêter encore le flanc pour, qu puisse, pour que les autres puissent se moquer de nous. Alors, quand on est un coach, jeune, ivoirien, patriote, qui prend une équipe en main et qui lui tient ce discours avec un système de jeu qu'il va réarticuler, c'est le résultat que ça donne. Parce que je voudrais vous dire que l'équipe a été baptisée au nom du commando, dans un contexte particulier. Le président Idriss Diallo a dit que. Il fallait qu'on ait une équipe qui a quelque chose de plus que les autres équipes. On n'a pas de grandes individualités. Au-delà de cela, on n'était pas parmi les meilleurs en Afrique. Mais il a souhaité qu'on ait une équipe qui a un mental d'acier. Un supplément d'âme. Un supplément d'âme, un mental d'acier. Ce qu'on appelle le fighting spirit. Uh -huh. Des joueurs qui sont prêts à se sacrifier jusqu'à la fin de, 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 de la compétition. Des joueurs qui sont capables d'aller arracher la victoire face à l'ennemi à la 90e minute, vu, à, à, à la plusieurs... 120e minute, <laughs> on et on l'a vu à, vu. Plus, à plusieurs Donc, reprises. Justement, c'est cet état d'esprit-là qui Alors, justement, a été mis en le reste examen. de la compétition se déroule bien, même si ça a été une vraie bagarre. Hein Alors, le Sénégal, vous l'avez dit, le Mali, la République démocratique du Congo, et puis le Nigeria, Nigeria. en finale. Mmh. Je voudrais venir d'un mot sur un cas un peu spécial c'est le Mali. Euh, là encore, on peut un peu parler de géopolitique oui. du football, Effectivement. parce que la rivalité entre les deux équipes a dépassé le, largement le terrain. On a vu les Ivoiriens, et les Maliens se chambrer, oui. euh, et, et tout ça, on a l'impression que c'est lié aux mauvaises relations actuelles entre les deux pays. Il faut dire que aujourd'hui, c'est pourquoi on parle d'un enjeu géopolitique sous régional, c'est-à-dire le match contre le Mali. A été le derby ouest-africain, comme le disent les joueurs eux-mêmes. Nous entretenons des rapports qui ne sont pas vraiment au beau-fils avec le, 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 le Mali, qui est notre voisin immédiat. Donc, les autorités maliennes se sont servies de cette compétition pour vouloir montrer leur supériorité vis-à-vis -vis du peuple ivoirien. Donc, c'était ça l'enjeu. Pour eux, la Côte d'Ivoire étant un grand pays, la Côte d'Ivoire étant le pays organisateur, le fait que le Mali vienne battre la Côte d'Ivoire sur ses propres terrains était assimilé à une victoire, une victoire géopolitique. Et en retour, les ivoiriens aussi ont dit non. Ils Ont mis un point d'honneur oui. à empêcher ils cela. Ils ont mis un point d'honneur à empêcher cela. Voilà le Nigeria, c'est aussi un cas un peu spécial parce que le Nigeria avait battu la Côte d'Ivoire en phase de qualification oui. et la Côte d'Ivoire a battu le Nigeria en finale. Justement. Et donc là, eux, euh, ils sont arrivés un peu euh, Justement. tranquilles à la finale en se disant Justement, on va les balayer. Ils ont pêché par excès de confiance. Uh -huh. Ils ont pêché par excès de confiance, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans la posture qu'on avait face à la Guinée équatoriale. Les Nigériens sont arrivés gonflés à bloc et quand je faisais mes entretiens... Il paraît qu'ils ne se sont même pas entraînés ou très peu... Ils avant se le... sont entraînés très peu. Ils ont plus passé leur temps à danser et chanter sur les musiques qu'on jouait dans le stade. Ils ont passé leur temps à regarder la cérémonie de clôture parce que pour eux, ils étaient venus pour... – Une formalité. – pour, pour remplir une formalité, puisqu'ils nous avaient battus euh, pendant les, les, les matchs de poule. Donc pour eux, c'était une mission qui venait euh, accomplie. Ils n'ont pas, pas été concentrés. Et parallèlement, les Ivoiriens étaient concentrés parce que le président Idriss Diallo leur a tenu un discours, un discours euh, important, un discours avec une connotation, je dirais, spirituelle. Il a parlé d'élus. Il a dit que nous sommes 30 millions d'ivoiriens et qu'ils se considèrent comme des élus de Dieu. Et parmi les 30 millions des ivoiriens, ce sont eux les 27 que Dieu a choisis pour écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire et qu'ils souhaitent qu'ils écrivent vraiment cette histoire-là. Ça, c'est très important. Et à ce, à ce stade-là, c'était déjà gagné puisque arriver en finale... Bon, on gagne ou on perd une finale. Et mais effectivement. Et, mais le contrat était rempli. Là. Et le contrat était rempli. Ouais. Le contrat était rempli parce que quand on regarde le parcours des éléphants, on ne pouvait que gagner cette, cette compétition. Quel a été l'effet, euh, comment vous le définiriez, de cette victoire des éléphants à la canne sur le peuple et sur la population ivoirienne Ça a été, je dirais, d'abord, le parcours a permis aux éléphants de comprendre beaucoup de choses sur la résilience parce que ça a été une leçon de vie, ça a été un enseignement. Le parcours des éléphants a montré que il faut dans la vie être déterminé, être <coughs> endurant, être résilient pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais la victoire elle-même a été source de cohésion. La compétition, la façon dont elle s'est déroulée jusqu'à la victoire, le tout a été, je dirais, une source de cohésion et d'union. Pendant un mois, les Ivoiriens ont mis de côté leurs différences politiques, leurs différences religieuses pour former un peuple, pour former que un. Est-ce que vous avez le sentiment que le foot est un des ciments de la construction de cette nation ivoirienne Oui. J'ai cette intime conviction et je l'ai eu quand j'écrivais le livre sur l'histoire du football ivoirien j'ai compris que tous les grands rendez-vous du peuple ivoirien s'articulaient autour du football et j'ai euh, le, le parcours des éléphants à l'occasion de cette canne m'a conforté dans cette posture -là. parce que le football on touche tout le monde les hommes, les femmes, les jeunes les vieux, les riches, les pauvres il y a, y a, y a euh, tout le monde s'intéresse au football et particulièrement quand les, les éléphants sont en jeu le football touche tout le monde et c'est le... Qu'est-ce qu'il représente ce sport C'est-à-dire que je ne parlerai pas de religion, mais le football permet aux Ivoiriens de transcender leurs différences pour en un laps de temps, dans des moments particuliers, pour communier. Ça, c'est important. Mais le public ivoirien est un peu versatile parce qu'on a vu à quel point Comment vous le qualifieriez Moi, je dis versatile, mais bon, parce qu'il a voué son équipe au gémonies quand il perdait, et puis porté au nu quand ils ont gagné. Mais, euh... M. Nassera, peut-être que cela peut vous étonner, mais les, les, les joueurs, quand je les ai interviewés, ils ont dit qu'ils comprenaient. Ils avaient raison. Ils, ils disent qu'ils comprenaient parfaitement notre équipe parce que cela dénote de la passion. Mmh, voilà. Cela dénote de la passion. Ils ont dit qu'effectivement, on accepte. Et on comprend le comportement du peuple, des supporters ivoiriens, parce qu'ils aiment leur équipe nationale. Ils sont passionnés. Et étant donné qu'ils sont passionnés et qu'ils aiment leur équipe nationale, ils ne peuvent pas admettre qu'on perde dans certaines conditions. Effectivement, c'est vrai, parce que, figurez-vous, lorsqu'ils partaient à Yam ils essuyaient encore des injures. Ils étaient menacés quand ils quittaient Abidjan. Mais lorsqu'ils gagnent à Bouaké et qu'ils arrivent, ils sont accueillis en fanfare avec des moutards à l'aéroport et ils sont escortés par ceux qui les insultaient il y avait quelques semaines. Ils sont escortés par ces personnes-là jusqu'à leurs hôtels. C'est ça. C'est ça la passion et la magie du football. Le... Cette canne, ça a été un grand moment donc un grand moment de cohésion de toute la nation. Euh, mais en même temps, on parle d'un héritage. Qu'est-ce qu'elle a apporté au pays, cette canne D'abord, euh, en termes d'infrastructures, c'est important. Voilà pourquoi on parle d'héritage. Il faut dire qu'on a six stades qui sont aux normes euh, euh, internationales. On peut y jouer des compétitions. Et on voit que dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde, on a plusieurs pays africains qui viennent, qui qui viennent jouer musique. ici. Donc, – Mais c'est -ce déjà est pas un, un peu, point important. Est-ce oui. que ce n'est pas un peu surdimensionné par rapport à ce qu'on va en faire maintenant Non, puisque c'est dans la durée. Qu'est-ce qui prouve que dans quelques années, peut-être dans moins de 10 ans, on ne sera pas sollicité ou ressollicité mm -hmm. pour réorganiser euh, 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 une compétition mm -hmm. encore, euh, la même canne en, en, en Côte d'Ivoire Parce mm -hmm. que c'est la meilleure des cannes jamais organisée. Voilà. Donc, il euh, y a ça. On a aussi les infrastructures. Euh, 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 routière, puisque pour, les six stades sont dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il fallait trouver des routes pour pouvoir rallier ces villes-là qui, qui abritent ces stades. Ça a été fait. Donc aujourd'hui, ça a un impact sur les infrastructures hôtelières qui ont été mises à niveau. Mais au-delà de tout cela aussi, il faut dire que la Côte d'Ivoire a accueilli plus d'un million de visiteurs. Ça fait tourner le secteur touristique. Ça fait tourner les petits commerces. Donc ça. On sait si, euh, est-ce qu'on sait mesurer l'apport, par exemple, pour le PIB de cette période ça, ça se ça, mesure. Ça se oui, ça doit se mesurer parce que il y a les statistiques et les chiffres qui sont sortis. Ça a été un impact considérable à comparer à la canne qui a été organisée euh, ces dernières années dans les mmh. différents pays d'Afrique. dont le Cameroun, mmh. on est euh, nettement au dessus en termes de recettes de même en termes de droits de, 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 de retransmission et tout cela, on est quand même largement au-dessus. Et j'avoue que nous avons touché, selon les statistiques, un peu plus de 2,5 milliards de personnes qui ont regardé, de téléspectateurs. Donc pour l'image du pays. Pour l'image aussi du pays, pour son rayonnement international. C'est ça. Oui. Euh, cette victoire elle met sûrement un peu de pression sur les joueurs, les coachs, les instances fédérales euh, pour les prochaines compétitions. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a la prochaine Cannes. Effectivement. C'est comment Aujourd'hui, la pression est du côté des joueurs, parce que les Ivoiriens savent qu'on a une équipe formidable qui nous a permis de vivre ce grand moment euh, 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 de sport. Alors, il souhaite que cette équipe puisse rééditer l'espoir au Maroc. Donc, je pense que le président Idriss Diallo et tout son staff, avec le coach MS Fayet comme sélectionné, ils travaillent pour que nous puissions garder cette coupe-là à la maison. Les autorités ivoiriennes avaient beaucoup investi dans, le, dans, cette, dans cette compétition, à tous les niveaux, financièrement, les, on venez de le dire, hein, les, les installations qu'il a fallu mettre en place. Euh, ça s'est bien terminé, <laughs> heureusement. Si ça s'était terminé différemment, il se serait passé quoi on, dit, on se dit, le président Ouattara, il a la baraka là, oui. parce que vu, vu le, 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 le parcours, ça aurait pu se passer. Oui, mais je pense que si ça se passait autrement, c'est-à-dire que si on ne remportait pas cette canne, ça allait être un esprit fair-play. Moi, hein. bon, je pense que le sport reste une compétition, et lorsqu'on s'engage dans une compétition, on peut la gagner comme la perdre, exact. même si le souhait et notre objectif, c'est de gagner cette compétition. Et comme vous le dites, le président Ouattara avait dit qu'il n'y a jamais 203. C'est le premier à pouvoir remporter une Coupe d'Afrique en 1992 en tant que Premier ministre. En 2015, en tant que président, il remporte sa deuxième Coupe d'Afrique. Et là, en 2024, toujours en tant que président. Donc il est mêlé aux trois. Voilà, il est mêlé aux trois. Mêlé. OK, euh, Monsieur Konadje, vous êtes euh, un chercheur et vous connaissez, vous avez produit encore un livre qui est à la fois un récit qui parle à tout le monde et qui est un livre de chercheurs. Donc euh, je le recommande chaleureusement. Euh, vous connaissez bien notre, euh, déjà notre jeune slameuse, Hélène Beckett, n'est-ce oui, pas Oui, oui. Alors elle va s'avancer parce qu'elle a écrit un slam euh, sur l'aventure des éléphants à la canne. Donc, euh, chère Hélène. À toi. L'essentiel est de participer, pas de gagner. Telle était la mentalité avec laquelle, sans penser, on vous a imaginé. Au final, en final. Ce n'est pas si mal. Mais connaître l'enfer sans la mort, être à enfin avant d'abord, connaître des tempêtes qui consument que la géhenne et des braises plus froides que la neige, vous a fait transformer l'humiliation en motivation, la frustration en triomphe. Dans de profondes ténèbres, vous avez fait naître de vives éclairs remplaçant la fonctions par la résurrection et on ne dormait pas mais en plein cauchemar vous nous avez fait rêver. Quand on cherche un coupable, son procès pour nous vous avez gagné. Notre troisième étoile, ce n'était pas gagné d'avance mais par votre travail, même en retard, on a eu du temps. Vous n'êtes plus une équipe, mieux qu'une famille encore, qui se fatigue mais jamais n'abandonne. Si une faute de bras immobilise, au dilon qu'on par un carton. Ce sont les pieds d'Adingra qui cartonnent. Quand est fauché Nicolas Pépé par un penalty, nous relève Franck Caissier. Si augmente une baisse de morale, intervient le président, Monsieur Yacine Idriss Diallo, pour donner la foi même aux athées, voyant la victoire même dans les ratés. Sachant qu'être leader, Parfois, c'est aussi recevoir des pierres. Par son optimisme, il a fait de cette canne le carrefour de tout parcours accompli et de la Côte d'Ivoire une terre promise, même de ceux qui ne s'appellent pas Moïse. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire n'est pas que la basilique, les ponts et stades mais aussi la tête du président Alassane Ouattara. Oui, grâce à vous, la Côte d'Ivoire n'est pas que le popo carnaval, le feu muet, le carrefour de tout brassage, mais aussi les mains du docteur Jean-Jacques Konadji qui écrivent pour donner une suite à la vie et immortalisent même les instants imprécis afin de laisser des traces à ceux qui marchent et une voix à ceux qui parlent. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire n'est pas que le nord, le sud, l'est ou l'ouest, mais aussi le cœur patriotique du coach MS Fayé qui dit oui même en temps de négativité. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire n'est pas que le pays du café cacao, mais aussi la voix du père Assalfo. Parce que la Côte d'Ivoire... C'est qu'elle peut compter sur les pieds du commando. Merci, merci beaucoup, Hélène. Merci, docteur Konadjé, merci encore une fois en de, nous avait, de nous avoir fait revivre ces moments formidables de la Cannes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre troisième étoile. Ce n'était pas gagné, gagné d'avance. Publié aux éditions de l'onde à Paris. Merci à vous. Et merci de vous votre attention. Bien. À la prochaine fois.